Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 11e épisode de cette saison 3 de Station Ears en coop sur Pertam avec Lodos et XK. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Et donc aujourd'hui on va un peu faire de la construction sur ce rover, rajouter comme on avait dit des cargos au centre et puis on disait aller récupérer du magnésium, c'est ça? Ouais, et on est un petit peu en cours, il va falloir qu'on essaie de trouver de l'or et de l'argent aussi, qu'on n'a pas du tout, ou en très petite quantité. Ouais, ça, on en trouvera au fil de... De notre padrouille. Ouais. Au fil de nos aventures. Et c'est ça. Est-ce que j'ai un... Oui, cargo ici. Alors du coup, les cargos, ce que je m'étais dit, c'était de faire une rangée complète sur toute la longueur des... Sur toute la longueur des roues. Petit. Donc de là à... Non, c'est au centre, ça? Non, c'est pas au centre, ça. Non. Je crois que le cockpit est au centre. Ah oui. Le cockpit, ou c'est la porte qui était... Attends, est-ce qu'on n'a pas un numéro pair, là? 1, 2, 3... Non, 4, il me semblait que j'avais mis un impair. 1, 2, 3... 9. Non, 5. C'est ça. Oh non, mais c'est ça, t'es au centre. T'es au centre. J'étais au centre, oui. J'étais au centre, ouais, au niveau de la porte. La porte était au centre, normalement. Est-ce que c'est juste un petit espace pour qu'on puisse passer, pour le moment? Oui, bah on peut... Ouais. Voilà. Donc, avec ça. Alors du coup, ça veut dire que... Alors, attends. Ouais. On peut en mettre, là? Ça va pas gêner la foreuse? Non, parce qu'elle c'est en dessous. Ça va tourner en dessous. Non, ça va. Ouais, attends. Oui, ça tourne en dessous. Ah, je crois que c'est bon, là, où tu les as mis. Faudrait juste pas mettre de bloc en dessous, parce que là, ouais, effectivement, ça va. Ouais, c'était arrêté ça juste devant. C'est pile-poil. C'est bien. Je vais venir jusqu'ici, finalement. Attends, et le train tirer les blocs, arrière... C'est ici, c'est où on est. Là, ouais. Ici, là, à l'intérieur, normalement. Mais ça fait, du coup, c'est les 5 par 5. Et salut Sabdam. Donc oui, ça fait 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ah, parce qu'il y aura deux roues en plus, c'est ça? Oui, il faut une de chaque côté. Putain, je me perds. Oui, c'est mieux, parce que si tu mets les deux de même côté... 1, 2, 3, c'est la partie gauche de la première roue. 1, 2, 3, la partie droite de la deuxième roue. Donc jusque là. Ouais, jusque un après. Non, un avant. Voilà. Comme ça, je pense qu'on sera pas mal. on va commencer. J'ai commencé à connecter celui-là, comme ça il sera sur le même réseau que le reste. Comment on faisait pour récupérer dedans déjà? Clique molette. Ouais. Une fois que t'as fait le clic droit pour mettre dans ton bille de la mer, ouais, clic molette. Ah. Ah, il nous manque des plaques intérieures. Combien on en a de plaques intérieures de base? Interior plate, 200. Le saumon est sorti. On avait pas mal de grilles du coup pour pouvoir faire tout ça. Ouais, j'en avais rajouté un peu à la prod pour que. Bon, il va falloir que ça produise. Niveau batterie, on était bien? Ouais, on était bien. Est-ce qu'on se détacherait pour aller au magnésium, que au ça magnésium. Travaille en attendant qu'on bosse? Ouais, pourquoi ouais. Pas. Ouais, je dirais ça. Bon, tu peux... Normalement, moi, ça devrait... Je continue à fabriquer, moi. Je déconnecte, hein. Pourquoi j'arrive pas à...
Je vais peut-être pas construire ceux du fond, non? J'ai peur que ça prenne du poids. Ouais, 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 tu peux les laisser déconstruits pour l'instant. Et sinon, pourquoi j'arrive pas à déplacer le rover? Est-ce que j'ai un frein de parking, peut-être? Oui. Les roues tournent. Ah oui, ça avance, là. Oui, oui, non, mais quand tu enlèves le frein de parking, c'est mieux. Et salut, Babasque. Salut, Babasque. Salut, salut. Donc, on va aller par là-bas. Attention à pas rouler dans ton trou. Hein. Oh ouais, je l'ai évité. On l'avait marqué le point là de la glace, si jamais on avait l'effet. Je l'ai, en tout cas. Au pire, je l'ai. Ah, d'accord. Bien joué. Bien vu. Il vient de disparaître. Vu, non, mais attends, il vient de disparaître. Bah, c'est parce qu'on le détectait. Ah, punaise. Tu veux pas t'arrêter un petit peu le rue qu'on avait marqué le point de glace? Allez-y, hein. Moi de toute façon je suis sur ma lancée à 30 mètres secondes, je vais mettre le temps d'arriver au... C'est bon, accélère, on a pris le dos. Que je me souvienne comment on fait. Je vais essayer de pas trop me poser, éviter de... Tu fais slash GPS dans le chat. Dans le chat, c'est le plus simple. Et après tu peux le renommer. Ceci dit... la GPS et puis tu mets le nom en fait. C'est... Juste derrière avec un espace? Ouais, avec un espace. Ouais. Bon bah on est garé sur notre pilier qu'on avait laissé. On est revenu près de... Bah non, attends. Là on est au Magnésium. Je le vois pas. C'est le Paris-Pertam, ouais c'est le Paris-Pertam. Bah moi j'avais mon truc Magnésium à 40 mètres là. On a le détecteur qui est allumé là. Aïe. Oui, il est là à 60 mètres de profondeur. Est-ce que j'ai de. Ou en dessous. Oui, j'ai une tâche ici. Mais on ferait pas mieux de... Bah, si on mettait les foreuses là, juste au-dessus, là, le rue. 60 mètres, les foreuses elles prennent pas ça. Non, mais il y en a ici là. Ah bah attends. Mais à quelle profondeur? Ah pareil, 60. Mince. Non, il va falloir c'est se cool. Taper le... Ouais. Et ben, c'est parti. Je commence à miner, t'es où? Moi, je suis en train de miner aussi. Ah mince. Bon, on peut tous miner un petit peu, hein, ça va pas faire de mal. Oula, tu mines... Ouais, tu fais un puits en fait. Ah, c'est pas moi qui fais le puits, c'était le puits de l'Odos, hein. Ah, ok, moi, si c'est le puits de l'Odos, ça va... Ouh, attention quand on descend... Ah oui, je me souviens de ça. Ce... Ok. Bah, à la limite, tant que vous faites ça, je vais commencer à virer l'ancien cargo. Alors, faut que je me souvienne de... Rover réglé à 120 km, ça va le faire. Programmable block, c'est lequel? Is Solar Alignment maintenant. Inventory Manager. Lock container. Locked. Donc on toi, descend. Tu t'appelles Locked et Locked vers. Attention, je monte. Small on cargo. Pas comme la dernière fois. Le boss est plus là. Il ok. Mais plus depuis tout à l'heure, je vous parle, j'ai mon micro coupé. Ah. Zut. Effectivement, on t'entend moins bien quand t'as le micro coupé. Exact. Oui, je disais, hein, bah en fait, t'as dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. La dernière fois, c'était percuté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
combinaison à court de carburant. Je okay. montre. Attention. T'en as plus du tout du carburant? Ah bah je suis arrivé juste à temps à la maison. Ah ouf. C'est quoi ce bruit de boum? Et j'ai entendu un boom aussi. C'est quelques plaques d'intérieur qui sont tombées. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, elles sont bruyantes. Hein, ces pourquoi il y avait un cargo là-dedans? C'était quoi ce cargo? Où ça? Où ça? Pourquoi sol, hein, c'est moi ouais. qui l'ai mis. Ah. Bah, je l'ai déconnecté. Tu peux y accéder depuis en bas. Ouais, mais c'est pas un souci. Hein. Bah oui, mais du coup, il y avait des choses dedans. Et bah... Déjà... Oui, il faut que je transvase à la main. Un coup de main ? Oups. Non, ça va aller. Alors attends, j'avais ça que je range, ça aussi. Ça c'était. Pourquoi je fais ça, ça. Aïe. Je me suis fait mal en descendant trop vite. Ça va, il est presque vide. Je vais te renommer Locked parce que sinon... Sinon tu vas essayer de t'en servir et tu vas pas... ça va pas marcher. Je descends. Attention, je monte. Ah, vas-y, je te vais sortir. C'est déjà aux trois quarts du chemin, c'est pour ça. Ouais, ouais, pas de soucis. La caillasse là en bas, tu peux ramasser. Ouais, ouais, descends. C'est ce que je viens de faire. J'avais... Ah, ouais, vas-y, vas-y. Aïe. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? T'es mort aussi? Ouais, je suis mort aussi. Non, j'étais, tout en bas, des... j'étais tout en bas posé au sol, mais tu m'as un petit peu écrabouillé. Bah, oh. Pourtant, j'avais juste coupé mon jetpack pour faire les deux derniers mètres. C'est bizarre. Hyper grave. Bon, bah, t'es un peu lourd, hein, c'est tout. Ouais. C'est la gravité de Pertam, je suis pas lourd en fait. C'est... Ça va être la faute de Pertam, bah voyons. Attention, je coupe mon jetpack. Voilà. Ouais, moi aussi. Alors, hop, ça doit être. Non, c'est pas le mien. Bah, c'est le mien, j'étais plein. Je vois, attends. Ah, je vois rien dans les trucs. Ah, j'ai par contre, il me reste un tissu de magnésium dans mon. Comment est-ce qu'on va se goupiller ça? Ah ouais. Il me reste un petit chouille de magnésium dans mon sac à dos, je le récupère après. Je te le prends si tu veux. Je veux bien, merci. Voilà. Je remonte. Bon, note à moi-même, ne pas rester en dessous du trou quand il y a quelqu'un qui descend. C'est pas faux. Alors. Ces raffineries, comment est-ce qu'on va les caler? Parce que les ports latéraux, ils sont en plein milieu. Je descends. Je vais aussi poser ça, je pense que ça va se faire broyer. Hop. Idem. Je descends. Donc si on les met à l'horizontale, j'ai... Je remonte. C'est vrai que j'ai encore un peu de mal avec les touches, mais... Pareil. Ça fait longtemps, hein. J'ai pas encore appuyé sur J. Mais en fait, ici tu peux. J'ai appuyé sur J, mais ça va, tu peux, il y a de l'oxygène. Ah oui, c'est vrai, là, on est bien au niveau oxygène ici. Ouais. Ouais. Je vais descendre. Je suis en train de miner, donc tu peux. Moi, je pense que tu mines. Hein. Ouais, vas-y. Voilà.
J'ai des problèmes métaphysiques. Je remonte. J'attends. Je pense qu'il va falloir les mettre un peu plus haut, les raffineries. Hein. Je vois pas le choix. Je vois pas d'autre solution. Sinon, elles vont dépasser. Enfin, dans tous les cas, elles vont dépasser, mais... falloir les faire dépasser de 2. D'accord. Tu veux jeter un coup d'œil, tu veux les mettre comment, les raffineries ? Je vais les mettre à l'horizontale. Mais pour les raccorder... Ouais. Ah ben non, attends, oui, on peut les mettre à l'horizontale. Coucher, parce que là, elles font... elles font... Elles font 2 par 2, mais tu rajoutes les modules, ça fait 2 par 3. 2 par 3. Ouais. Mais si tu les couches de chaque côté des convoyeurs, là, des cargos. Bah, elles sont trop hautes, elles font 5, et on a que 4 de chaque côté. Il faut les coucher, mais rajouter. Coucher, justement, parce que 5 c'est trop haut. Justement, coucher. Attends, elles font 4 oui. Non, pas 5. Elles font. Non, c'est 5. Non, c'est 4. C'est 4. C'est 4 ? Est-ce que tu veux mettre 4 ? 3, 4. Ouais, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui ! Attends, et là, j'ai... 1, 2, 3, 4. Bah, ça serait nickel, en fait. En fait, ça serait nickel. Tu les mettrais où, du coup ? Au niveau de l'essieu central, ça me paraît pas mal. Un petit peu avant l'essieu central. Là où il y a le panneau actuellement. Ouais. Oui, ça me semble pas mal. Je vais faire un copier-coller du contenu du panneau. Comme ça, après, on se le remettra. J'ai plus d'inventaire. Mon inventaire est plein. Ouais, tu voulais ramasser. Ouais, c'est ça. Et voilà. Duke, toi. Je voilà. Oui. Alors, aïe. Ah, il y a une steel plate qui est tombée. Quelqu'un peut prendre la steel plate qui est tombée par terre ? Elle est où ? Voilà. Juste devant moi. Ah oui. On a à combien de magnésium là ? Est-ce qu'on a déjà 1000 de magnésium là ? Je pense, je il sais pas. Il faudrait un petit 100 000 de magnésium là, non ? À base de. 1400 par voyage. Bouge un peu l'audace, s'il te plaît. Voilà. Non. Merci. Excuse-moi. Attends, on a 185. Déjà processé. Non, 185 plus 50. Et il y a encore 20K dans la raffinerie. 20K ? Ouais, mais ça donne pas beaucoup, ça, non ? Je sais pas combien ça donne exactement de... Une fois raffiné. Bonne question. Ah, les chiffres en tête. Moi, j'en ai aucune idée. J'ai jamais cherché ça. Mais je pense qu'on peut continuer encore un petit moment. Hein. Ouais, continuer. On n'a pas perdu. Non, je pense pas. Après, je vois que le filon il commence à vachement se tarir, donc... Quoique... Ah.
tu descends. Ah ouais, je vais te suivre. Je vais. Voilà, j'ai des petits rollbacks. Ah. Je ne suis pas trop près parce que. Ben en fait, je vais me retrouver derrière toi. En fait, t'as pas bougé, tu t'es juste stoppé, c'est tout. Oula. Comment tu fais déjà pour vider ton inventaire? Je sais plus. Alt, clic molette. Alt, clic molette. Ah oui, ok, merci. Ça, je le savais pas, par contre. Je descends, attention. Vas-y. Et... paf. Et salut Krios. Salut Krios. Ok. On est reparti pour un tour. Attention, il descend. Ouais, je suis en train de miner. Ah bah. Ok. Bon, logiquement, la raffinerie sera plus efficace là. De toute façon, j'en ai coupé une. J'en ai mis une avec deux modules d'énergie et deux modules de rendement. La question est comment est-ce qu'on va caler les assembleurs pour pouvoir leur mettre des modules également. Ah, peut-être qu'on pourrait caler les assembleurs industriels. Je vais voir. On pourrait. Mais de côté. Quoique, même on pourrait de. Ah non, parce qu'il y a un en dessous et un dessus. Non mais ça ferait moche de côté. Les assembleurs industriels, ils ont une plateforme, non, dessus? Ouais, mais je disais pour que ça prenne moins de hauteur. Pour que ça fasse pas 3 de haut. On pourrait les mettre de côté. Mais sauf que si on les met de côté, bah, ta plateforme, elle est de travers. C'est moche. Ouais. Mais ils sont différents niveau rendement par rapport aux. Non, c'est pareil, c'est juste le design. Ils sont plus gros, non? Oui. Sauf que Comme t'as un côté avec deux emplacements pour les modules, t'as module au-dessus, en dessous et deux d'un côté. Alors que sur les traditionnels, t'as sur les quatre côtés. Du coup, ils te prennent forcément 3 par 3 par 2, les traditionnels. Alors que là, il te prend 2 par 4 par 2. Plus, mais d'une manière différente. D'une manière différente. Du coup, il peut permettre de faire un profil plus plat, mais ça veut dire qu'on le met à l'horizontale et qu'on perd le côté sympathique du truc industriel. Parce que sinon, comment raccorder les autres? Je ne vois pas. Bah, on agrandira sinon. Hein. Il faut suivre les conseils de Saddam. Hein. Ouais, mais l'idée c'était quand même de réduire en hauteur. Ils sont mes assembleurs.
Moi, je mets les assembleurs normaux, mais je les mets debout. Comme ça, tu fais les quatre côtés. Oui, mais dans ce cas-là, si ça va quand même... Si tu les mets en quinconce, t'arrives à remplir. Ouais, mais il va quand même falloir qu'on en mette un... On mette un bloc au-dessus pour le raccorder... Ou en dessous. Bah oui, mais en dessous, on a dit que ça dégageait. Ah, parce que tu les mets à la même hauteur que les cargos. Oui. Ok. Et du coup, par rapport aux raffineries qui prennent que 2 de haut, ça va prendre 3 de haut forcément avec la connexion. Ouais. Mais il y aura bien de la connexion au-dessus, puisqu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait des tourelles, mais... Ah, on peut les mettre sur les côtés, hein, les tourelles. Entre les roues. Oui, mais on peut en mettre aussi au-dessus. Je préfère qu'on en mette un peu partout, d'ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. En dessous. Donc, je sais pas, je suis partagé là sur les assembleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, tu sais, moi... Je laisse une personne prendre une décision, après je suis content. C'est un peu pareil, en gros. Voilà pourquoi j'étais bras droit de Sabdam hein, pour la construction. Il est où votre trou ? Ah, il est là. Aïe, attention, je descends. Ouais, faut prévenir avant. Bah c'est bien ce que j'ai fait. J'ai dit attention, je descends. Non, faut dire attention, je vais descendre. Ah bon ? Attention, je vais vous descendre. Ah non, c'était pas ça. T'as posé quelque chose du coup là, des assembleurs ? J'ai pas encore posé les assembleurs. Mais je vais faire un... Pose les carcasses, comme ça t'auras une idée de ce que ça va donner. Attention, je descends. Et... Je crois que je vais partir avec l'industriel pour me faire un profil plat. Sauf qu'il faut que je dégage... Attention, je remonte. Attention, je monte. Yep. Ouh, attendez. Non, y a pas. Y a pas une autre connexion. Sale bite. Ça donne quoi si c'est comme ça? Est-ce que c'est très laid? Oui, c'est très laid quand même. Je suis là. Ça c'est quoi? C'est ma raffinerie? Ok. Energy low. Ah, j'avais pas compris que tu voulais les mettre comme ça, les raffineries. C'est cool. Voilà, comme ça elles tiennent. Il faudra mettre l'autre de l'autre côté, mais il faudra déplacer les blocs programmables. Je sais pas encore pour les mettre où. Une question. Très bonne question. Attends. C'est le dessus ou le dessous ? Où est le dessus ou est le dessous, s'il vous plaît ? Ah non, oui, d'accord, c'est sur le côté, mais du coup, ça implique qu'il y en a un en dessous. C'est ça qu'on veut pas. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.